comme Indy Start, on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice Angers. N'oublie pas le partenariat avec Alora Shop où tu bénéficies toujours de 10% sur le site internet, sur la totalité du site, avec une livraison gratuite à partir de 60 euros. Tous les liens sont dans la description. N'hésite pas, avec le code promo TonySadis, de bénéficier de cette promotion. Donc on va faire le débrief face avant le match au 13e de ce championnat de France Ligue 1 Uber Eats. On se dit, l'OGC Nice joue un club de moitié de tableau, hein, assez proche quand même, plus proche des 14, 15, 16, 17e que des 7, 8e ou 9e. Tu te dis, est-ce que Nice va encore sous-jouer, va s'adapter au jeu en jeu 20? Est-ce qu'ils vont élever un peu le niveau de jeu, effacer ces deux contre-performances en championnat? Ou est-ce qu'ils vont complètement performer et nous sortir un 3-4-0? Bon, c'était un petit peu comme ça aujourd'hui. Il y a des frustrations. Il y a des frustrations dans ce match, mais il y a aussi quand même des satisfactions à en tirer. On était plutôt bien en place, impliqué, intéressé, concentré dans ce match. On le commence plus ou moins assez bien. Hein. On essaye de mettre de l'intensité, de mettre de la vitesse. Et c'est par Justin Kluivert que tout va passer et que tout va se dérouler sur cette première mi-temps. C'est lui qui va mettre le feu, c'est lui qui va se projeter vers l'avant, qui va projeter l'équipe à aller plus rapidement vers le camp Angevin et les cages de Petkovic, le gardien Angevin. La concrétisation de cette domination niçoise, ça va être à la 11e minute sur un coup franc tiré par Justin Kluivert. Tête de Thuram, but qui sera refusé pour hors-jeu, refusé et vu à la VAR. Alors, sur l'alignement, c'est vraiment juste. Hein. Alors, c'est peut-être une des dreadlocks de Thuram qui dépasse, mais bon, étant donné qu'il peut marquer avec ses dreadlocks, ben, du coup, c'est comptabilisé comme un hors-jeu, puisque ce sont toutes les parties du corps qui peuvent marquer, qui sont comptabilisé. Nice va continuer à jouer, Nice va continuer à se créer des occasions et la concrétisation viendra. Donc, à la 18e minute, sur une superbe ouverture, une passe en profondeur qui va chercher la profondeur de Melvin Barthes pour Justin Kluivert qui va lui trouver l'espace. Petkovic va essayer d'anticiper la venue de Kluivert mais il sort beaucoup trop précipitamment, il sort beaucoup trop vite. Justin Kluivert a juste à passer le ballon en dessous et ça rentre dans les cages malgré l'intervention d'un défenseur angevin pour essayer de la retirer in extremis. Ça fait 1-0 enfin pour l'OGC Nice, pas de but hors jeu, mais une superbe action et une superbe vista de Melvin Barthes. Et ensuite, après le but niçois, bah, qu'est-ce que tu peux remarquer? C'est que Angers va un petit peu monter d'un cran, va monter le bloc d'un cran, un peu jouer un petit peu moins bas pour essayer tout simplement de faire sortir la défense niçoise, de récupérer des ballons un petit peu plus haut et essayer de revenir au score dans cette première mi-temps. De son côté, l'OGC Nice va, pour se trouver dangereux après le but, le premier but niçois, va tout simplement se comporter comme une équipe qui va jouer en contre pour se trouver dangereux et va laisser le jeu, va laisser le ballon à Angers. Nice va faire tourner le ballon et fatiguer les Angevins en multipliant un peu les courses à vide de leur côté pour pouvoir les fatiguer et faire circuler le ballon d'un côté du terrain à un autre pour qu'Angers soit déstabilisé et se fatigue vraiment dans ce match. Pour rien. Nice va ronronner dans cette fin de première mi-temps, tout simplement, va rester solide défensivement, même si on a pu se faire peur quelques fois dans cette première mi-temps, on va rester solide défensivement. Rien à noter de particulier dans ce match, mis à part ce poteau en fin de mi-temps qui aurait pu relancer Angers, qui aurait pu faire égaliser Angers en toute fin de première mi-temps. Le Gym a donc été impliqué dans cette première mi-temps, a eu la maîtrise du jeu, a eu la gestion du temps, du ballon et de l'équipe adverse, mais a su aussi se faire peur. La seule, on va dire, frustration que je te parlais, la petite frustration, c'est de ne pas avoir
su tuer le match un petit peu plus avant. Ensuite, on reprend la deuxième mi-temps. On va exercer un pressing très haut sur le porteur du ballon. On voit qu'on revient sur le terrain avec des intentions de vouloir tuer ce match et de vouloir vraiment mettre de l'intensité pour se mettre à l'abri le plus rapidement possible, puisqu'on l'a vu en fin de première mi-temps qu'on n'était pas à l'abri. Puis, au bout de quelques minutes, plus trop d'intensité. Plus trop d'intensité dans ce match. L'OGC Nice se contente de faire du football basique, hein, des passes et des repasses. Va falloir m'expliquer encore une fois le rôle de Jordan Lotomba dans ce match, mais notamment dans cette équipe. 4 à 5 fois, il a l'occasion, il a le temps de pouvoir centrer, de pouvoir s'appliquer, de pouvoir s'appliquer dans ce match. D'avoir une justesse technique. Comment tu fais, papa? Comment tu fais? Tu t'entraînes. Tu t'entraînes pour ça. Je ne comprends pas comment offensivement le garçon n'apporte absolument rien. Absolument rien. Il n'est pas décisif. Il n'est pas force d'honneur dans cette équipe. Ce n'est pas une force vive de l'équipe. Alors, en l'absence de Youssef Attal, évidemment, on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Donc, on fait jouer Jordan Lotomba. Mais je pense que c'est vraiment un joueur qu'il va falloir sortir gentiment à partir de l'année prochaine de l'effectif et lui trouver un nouveau point de départ pour qu'il puisse évoluer ailleurs. Parce que vraiment, je ne peux plus. Je ne peux plus. Lotomba, c'est un joueur. Je n'y arrive plus. Et d'un autre côté, tu vois Angers qui arrive à se procurer quelques occasions à être un petit peu dangereux. Hein, à partir de la 58e minute, ils arrivent un petit peu à mettre de l'intensité, à apporter de la vitesse, de la projection vers l'avant. Ça va être vite, on va dire, abrogé par l'OGC Nice qui va continuer à être solide défensivement. Et après, mis à part ça, ben, pas grand-chose dans cette deuxième mi-temps. On s'est fait un petit peu chier. Hein. On ne va pas se le cacher. Hein. On s'est fait un peu chier. À noter dans ce match aussi un énorme manque de justesse technique devant les cages. C'est surtout devant les cages en fait que le problème a été cet après-midi. Beaucoup de ratés. Hein, Dolberg qui loupe l'inratable. C'est, je sais pas, il s'est trompé. Il a mal apprécié la distance entre son pied et le ballon. Je sais pas. J'en sais rien, mais bon. C'est dur quoi, et puis ce manque de réalisme. Alors, entre les occasions ratées, les buts hors-jeu, puisque à noter le but à nouveau sur une passe D, sur un coup franc, sur une passe D de Justin Kluivert, le but hors-jeu d'Andy Delors. L'OGC Nice a eu aussi sa séquence un petit peu de. Où ils ont attaqué, ils ont eu les espaces, ils ont eu les ouvertures. Ils ont su asphyxier un peu cette défense angevine et on n'a jamais réussi à planter ce deuxième but. On a lâché un petit peu à 10 minutes de la fin du match, hein, on a lâché un petit peu le ballon, on a laissé Angers un peu attaquer, hein, on aurait pu se faire surprendre en toute fin de match, comme on a pu se faire surprendre en fin de première mi-temps. Ça n'a pas été le cas, mais c'est vraiment la grosse frustration cet après-midi, c'est ça. Je suis content qu'on ait gagné. Même si on n'a pas sorti un match fantastique, football champagne, exceptionnel ou quoi, on a su mettre le premier but assez tôt, on n'a pas su le tuer assez tôt. On aurait dû le tuer dès la première mi-temps, mettre après 10-15 minutes après que le match, qu'on ait mis le premier but, il fallait tuer le match à ce moment-là, ou alors au retour des vestiaires. Quand on revient sur le terrain, c'était là dans les 5-6 premières minutes de la deuxième mi-temps, c'est là qu'il fallait planter ce deuxième but et ne donner plus aucun espoir à Angers de pouvoir revenir dans ce match. On revient à un point des Marseillais, donc ça c'est plutôt pas mal. On reste collé à eux, on continue à leur mettre la pression, donc ça c'est le point aussi positif, hein, parce qu'il ne fallait pas essuyer un troisième revers d'affilée en championnat. C'est de bon augure pour affronter ensuite. Strasbourg, Versailles, le PSG et tout ce qui suit derrière, ça va être de très très bon augure et j'espère que on va sortir des gros matchs là prochainement pour pouvoir continuer à croire à tout ce que
l'OGC Nice peut nous apporter et à croire que cette saison sera historique. Sur ce, ciao viva, la Valletta et Issa Nissa.